Samedi 13 et dimanche 14 avril, la ville de Nilvange a organisé un week-end à son image, sur le thème chic et champêtre. L'association Le Château des Anges, avec le soutien de la municipalité, a proposé samedi soir un repas chic à l'intérieur du château et une journée champêtre le lendemain dans le parc. Madame le maire, Alexandra Rebstock-Pina, et Monsieur Joseph Fortunio, adjoint à la mairie et président de l'association Le Château des Anges, reviennent sur l'importance de maintenir le château et son histoire au sein des événements de la commune. Une journée agréable qui marque le début de la belle saison qu'on attendait avec impatience. Ça fait la deuxième manifestation avec notre bourse aux plantes de la semaine dernière où le soleil était avec nous et on en est vraiment ravis. Chic et champêtre, voilà le thème de cette journée, de ce week-end, à l'initiative d'une bien belle association qui est à mes côtés, le Château des Anges. Monsieur le Président Joseph Fortunio, qui est à mes côtés, merci à vous et à toute votre équipe pour être à l'initiative de ces temps forts du parc. Hier, on me disait, hier soir, eh bien, Madame le Maire, c'est quand même très agréable de revenir et de rentrer dans ce château. On attendait ça avec impatience et c'est vrai qu'aujourd'hui, le château vit, il vit. Il fallait faire revivre ce lieu. Et je crois que vous avez réussi à le faire dignement. L'équipe municipale, le Château des Anges, main dans la main, pour faire de ce lieu un lieu qui vit, un lieu qui accueille le public, qui accueille les Nilvangeois et qui accueille les gens de la vallée. Je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Pour rappel, il est évident que notre association participe en partenariat avec la commune, mais l'objectif principal de notre association au Château des Anges est bien sûr d'entretenir le château. Vous le savez très bien, une façade à refaire, un toit à refaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Notre but, c'est surtout de garder notre parc parce que c'est un lieu à vivre, surtout un coin de verdure qu'il faut absolument venir voir. C'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras. Vous le savez, à Nilvange il fait bon vivre, et on aime bien s'amuser, se divertir. Ce week-end, on vous a préparé un week-end chic et champêtre. Une partie chic qui s'est passée le samedi soir avec Mathieu qui nous a chanté Frank Sinatra et Lilia qui a chanté Dalida. Aujourd'hui, dimanche, plutôt thème guinguette, bal populaire avec le groupe Funky qui vient du Luxembourg. Après, nous aurons Mickaël qui va nous chanter les chansons de Montmartre, tempo, toutes les chansons françaises. De 16h à 18h, bal populaire avec le groupe Tequila. Chic et champêtre, c'est donc une manifestation qui allie le chic. C'était le cas hier soir par une belle
un bon moment d'échange à l'intérieur du château. Et puis le champêtre, c'est aujourd'hui dans ce magnifique parc. Ce magnifique parc avec des arbres qui sont centenaires, un lieu de vie, un écrin végétal au milieu de la ville qui nous est cher, nous Nilvangeois, et je pense qu'il est cher à l'ensemble des gens de la vallée qui ont connu aussi cette histoire sidérurgique qui est encore présente aujourd'hui. Mais ce château, c'est le symbole de cette histoire sidérurgique qui a commencé au siècle dernier. Et c'était donc la demeure patronale des anciens patrons de la SMK. Aujourd'hui, c'est un patrimoine communal, c'est un patrimoine public. On a retrouvé ce lieu et on en est ravis. Alors tout au long de la journée, vous allez pouvoir entendre des groupes de grande qualité. Vous avez The Funky Shakers. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Et ensuite, place à Michael, voilà, qui va, et puis bien sûr, ces chanteurs et musiciens, qui vont, eux, assurer les guinguettes de Montmartre. Hein, je crois que c'est la thématique de 14h à 16h. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, et si tu me crois pas, hey, tape ta gueule à la récré. Je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui colle encore, encore et encore. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. On laisse moi faire le hasard. On se méfie des fils de l'or. C'est toujours la tendre. Défaillance, je sais sa défaillance. Je le serai, on ne me croit pas fidèle en ce qu'elle est. Et ensuite, place au bal populaire avec Tequila. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux? Si dans la vie qu'on s'aime, et si le temps nous meurt, nous on s'aimerait quand même. Un regard si grand yeux fait un homme un malheureux. Je trouverai le bonheur. Et puis cette petite place du tertre qu'on a voulu reconstituer à l'entrée du château avec des peintres qui vont venir s'installer et qui vont voilà, animer aussi cette journée d'un point de vue artistique. Les enfants ont également pu s'amuser en faisant le tour des structures gonflables dispersées dans le parc. Une buvette et une restauration étaient tenues par l'association Le Château des Anges et par les sapeurs-pompiers de la ville. Quand on fait la java, le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Donc c'est une journée qu'on veut conviviale, qu'on veut ouverte à la culture musicale, qu'on veut nature, qu'on veut joyeuse. C'est le premier grand temps fort de la saison qui va se décliner sur l'ensemble du printemps et de l'été avec notamment les estivales et qui se clôtureront avec les grandes fêtes du patrimoine qui est notre point d'orgue de la saison. Yeah.
femme.